Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la vitrine des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 136 km de la capitale guinéenne, plus précisément au lycée-collège de Moussaya, dans la préfecture de Fokaria. Les autorités administratives de cette préfecture s'inscrivent dans l'optique de l'excellence du système éducatif guinéen en octroyant un prix aux meilleurs enseignants et aux meilleurs élèves de cette préfecture. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts.
Mais ça me passe de voir. Moi, de Guinée, vas-y, prends ta mère. Ouais. Soit ça gagne ta fille, sinon, il y a un. Mais ça me parle. Quoi, de Guinée, viens prendre ta mère. Oui. Foule, on est sur ce. Oui, ma foi, il faut qu'elle ait un tour et puis comme. Ma forêt, c'est un tout maintenant. Ce sont les deux lois fermes, ma mère, deux lois fermes. N'y a des nez. Mes enfants, vous voyez maintenant qu'une seule doigt ne peut pas ramasser une pierre. La Guinée est une voiture qui a quatre roues. Quand il quitte, le reste ne va bouger. Alors, donnez-vous les mains, mes enfants, prenez votre maman. La Guinée d'hier à moi, la Guinée d'hier à côté ça. La Guinée d'hier à moi, la Guinée d'hier à côté ça. Allah non les monote, Benkeni à Balima à la longue. Allah non les monote, Benkeni à Balima à la longue. Allah non les enfants, Allah non les monote. Dans l'optique de la qualification du système éducatif guinéen, la préfecture de Forêt-Carrière s'inscrit dans la dynamique prônée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en initiant de récompenser les meilleurs enseignants ou encadreurs qui se sont distingués par leur bon travail accompli au courant de l'année scolaire 2018-2019. Vous exprimez toute ma joie et toute ma satisfaction quant au choix sur les enseignants de Moussaï, pour recevoir les prix d'excellence de l'année scolaire 2018-2019 dans notre région et notre préfecture. L'événement qui nous réunit à cet instant, nous le savons tous, est d'une portée socio-éducative qui n'est plus à démontrer. Il s'inscrit visiblement dans nos stratégies de mobilisation sociale en faveur de la promotion de l'éducation. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est une évidence que ces dernières années, que les résultats de nos écoles aux examens nationaux, quoique croissants, sont loin de combler nos ambitions. Mais les efforts conjugués des enseignants, autorités scolaires, élèves, parents d'élèves et élus locaux, en ce début d'année 2019-2020, laissent présager un meilleur rendement scolaire en fin d'année. Je suis également persuadé que la présente cérémonie de remise des prix fera l'écho et motivera davantage tous les acteurs et partenaires de nos écoles dans leur activité de développement et d'éducation. Pour terminer, permettez-moi de rendre un vivant hommage à son excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, artisan du changement en cours dans notre pays, d'une manière générale et éducation de manière particulière. Vive le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Vive l'école guinéenne, je vous remercie. La DPE de Forêt-Carrière, par ma voix, vous remercie encore une fois de l'avoir honoré de votre présence à la cérémonie de remise des prix d'excellence aux meilleurs enseignants et encadreurs de l'année scolaire 2018-2019 de notre préfecture. Pour nous tous, ce prix revêt aujourd'hui une signification toute particulière parce que, comme vous l'avez certainement appris, le département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
dans sa dynamique de récompense, dans sa dynamique de qualification de notre système éducatif, a initié la récompense des enseignants ou encadreurs qui se distinguent par le travail bien accompli. Le choix d'un enseignant, d'un encadreur ou d'une institution scolaire pour recevoir un prix d'excellence est un exercice délicat et rigoureux qui combine plusieurs critères de qualité académique et professionnelle, de performance des indicateurs. Le meilleur professeur de la région de Kindia a été identifié par les services techniques de l'inspection régionale de l'éducation à partir des résultats que les élèves ont obtenus au PEPC dans sa matière. Ce professeur identifié s'appelle, s'il vous plaît, Monsieur Bato Kone. Il enseigne la biologie en 10e année au lycée collège de Moussaya. Ses élèves ont non seulement tous obtenu la moyenne, mais aussi l'un d'eux a récolté la plus haute note de la région en biologie. Ce prix décerné à M. Bato Kone par le département a été remis à notre DPE le 5 octobre 2019 dans la salle polyvalente de l'Eni de Kindia à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant. Mesdames et messieurs, dans le but d'accompagner ce élan de gratification des enseignants et des encadreurs à la base par le département et l'inspection régionale, la DPE de Forêt-Caria s'est inspirée de la même démarche pour encourager à l'échelle préfectorale le meilleur maître, la meilleure école élémentaire et le meilleur établissement du secondaire identifié par ses services techniques. Fort heureusement, c'est la commune rurale de Moussaya qui abrite l'essentiel de ses élus qui doivent recevoir ces prix d'encouragement avec les compliments des autorités du département, de l'inspection régionale de l'éducation et de monsieur le préfet de Forêt-Caria. Tout ce bonheur et ce prestige ont été rendus possibles grâce par votre travail, votre soutien à l'éducation de nos enfants. C'est pourquoi, en ce jour où nous procédons solennellement à ces remises, nous voulons souligner non seulement le rôle de l'école comme levier du développement tant ambitionné par nos braves populations, mais aussi la responsabilité des enseignants pour rendre notre jeunesse compétitive et exempte de l'ignorance, car elle est garante de l'avenir du pays. Mesdames et messieurs, distingués hôtes, respectés sages de Moussaya, du haut de cette tribune, permettez-moi de vous réaffirmer la détermination de la DPE à œuvrer sans relâche pour le rayonnement de l'école à Forêt-Caria. Enfin, je terminerai mon intervention en renouvelant ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour sa sollicitude constante en faveur de la promotion de l'éducation dans notre pays. Vive le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, vive l'école guinéenne, vive la préfecture de Forêt-Caria. Je vous remercie. Le professeur de biologie Bato Kone du lycée-collège de Moussaya Benna a décroché le prix d'excellence du meilleur enseignant de biologie au BEPC de la région de Kindia. Ses élèves au BEPC ont tous obtenu la moyenne, mais aussi l'un d'eux a eu la plus haute note de la région en biologie. Ce prix, vraiment, c'est un grand joie pour moi de recevoir parce que c'est venu de mon devoir et il faut travailler. Donc vraiment, je suis très satisfait d'avoir ce prix. Ici, au BEPC, alors les enfants ont répondu à 100%. Et c'est 90 candidats, chacun a eu sa moyenne en biologie. En biologie. C'est pour et cette... quelle est la plus haute note? La plus haute note était à 18. Donc, votre élève a eu 18 sur 20, en biologie. Ici, vraiment, je suis très content, je suis très satisfait. L'appel que je dois lancer aux parents,
c'est d'aller de dire à leurs enfants d'aller à l'école. L'école est le chemin de la vie. C'est à l'école où on apprend tout. Donc, faut que les parents sachent qu'aujourd'hui, si tu n'es pas lettré, tu ne peux rien faire dans la vie. Donc, ce prix comprend un témoignage de satisfaction et une modeste enveloppe de 500 000 francs. Bravo. Je remercie le bon Dieu, mes parents, les ma deux pays. Parce que des fois, on dit que c'est l'union qui fait la force. La 2P a envoyé les professeurs pour nous. Et en dehors de ça, les efforts aussi, les élèves et nous, vraiment, je suis à l'aise 100%. Des satisfactions pour le meilleur collège. Le meilleur collège. Le meilleur collège. On de Moussaïa. Non, de Benti. De Benti. On a présenté 100, on a présenté 9 candidats et on a eu 9 admis. Donc on a eu les 100%. Vraiment, les parents d'élèves, je remercie les parents d'élèves. En plus, surtout les anciens en situation de classe. Je commence à remercier d'abord mes parents qui m'ont mis à l'école. Ensuite, plus l'encadrement parce que la DP de Forcaria ne blague pas avec ses anciens sur le terrain au point de vue inspection. Parce que si vous regardez dans notre cible d'inspection, on a beaucoup d'éléments là-bas, en tout cas qui ne sautent aucun point pour le jour de l'inspection. Là où j'ai remporté les prix, là, j'étais invité là-bas depuis en 2012. Donc j'étais invité là-bas par le canal de M. le DS, l'ex-DS, M. Foufana. Donc ce jour-là, je n'étais pas content avec lui-même. Que faut-il faire? Il faut accepter l'hiérarchie. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé que l'école vraiment n'était pas... La formation avait baissé, l'effectif aussi avait baissé. Donc depuis que je suis rentré là-bas, en tout cas, j'ai commencé la sensibilisation. Les parents m'ont écouté, la communauté m'ont écouté, ils m'ont suivi. J'ai pris leurs enfants du CP jusqu'à 6e année. Le premier prix, c'est que le nombre de candidats présentés à l'examen d'entrée en 7e, c'était à 100%. Ensuite, le deuxième prix, c'est le prix du meilleur enseignant du maître de la 6e année, de l'année 2018-2019. C'est deux meilleurs prix là que j'ai reçus. Dans le but d'accompagner cet élan de gratification des enseignants et des encadreurs à la base par le MENA, l'IRE, la DPE de Forcaria s'est inspirée de cette démarche pour encourager à l'échelle préfectorale le meilleur maître, la meilleure école élémentaire et le meilleur établissement secondaire identifié par les services techniques. Bonsoir, monsieur le DPE. Bonsoir, mon frère. Et nous venons d'une de vos sous-préfectures et à 35 km, plus de 35 km de cette préfecture. Monsieur le DPE, est-ce qu'on peut savoir l'objectif de ce prix? L'objectif de ce prix est d'encourager, de motiver les enseignants à la tâche, en situation de classe. Après la proclamation officielle des résultats des examens nationaux, l'inspection régionale de l'éducation, oui, et les DPE-DCE de la République de faire une analyse correcte des résultats de ces examens nationaux en calculant le taux de réussite des candidats par profil, par matière et par établissement. Donc, les structures de concentré que nous sommes, inspection régionale et direction préfectorale ou direction communale, on s'est mis à la tâche pour essayer de déterminer ces différents taux. Vous venez de rafler le prix du meilleur enseignant et de l'IRE de Kindia. Et alors, qu'est-ce que cela représente pour vous? Cela représente pour moi une très grande marque de bon travail, de travail bien fait. Alors, j'ai été très, 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 très ravi et très, très comblé de joie de voir mon enseignant, mon professeur de biologie du lycée collège Moussaïa, s'identifier parmi tant de professeurs qui ont enseigné les élèves de 10e année au cours de l'année scolaire 2018-2019 et avec la réussite de tous les candidats qu'il a enseignés
et surtout avec les plus grandes moyennes, ce qui lui a valu ce prix. Et aujourd'hui, grâce à vous la presse, grâce aux autorités locales de la sous-préfecture de Moussaya, aux autorités préfectorales, nous avons remis solennellement ces prix et la DPE n'a pas manqué d'emboîter le pas au département, à l'IRE, pour aussi identifier la meilleure école élémentaire et le meilleur maître à l'élémentaire. On nous a encouragés par des satisfaits et des sommes symboliques pour leur motivation. Et nous avons demandé aux autres enseignants et encadreurs d'emboîter le pas pour la bonne qualification de l'éducation. Monsieur le DPE, vous êtes le premier responsable de cette préfecture et ce mérite vous revient. Et quel message avez-vous à l'égard des autres DPE et à l'égard des autres responsables d'école? Le message que j'ai à l'égard de mes collègues DPE est celui de suivre les enseignants en situation de classe, de suivre les encadreurs dans nos établissements et nos écoles, leur prodiguer des conseils. C'est le suivi qui produit le bon résultat. Sinon, tous les enseignants, que vous soyez professeur au secondaire, que vous soyez maître à l'élémentaire, nous sommes tous sortis soit de l'ISEC, soit des aînés, soit des universités, mais ayant suivi périodiquement des formations pédagogiques professionnelles. Je vous apprends que la DPE de Forêt-Carrière cette année, contrairement à l'année surpassée, alors on a fait peau neuve parce qu'on a doublé ou triplé le taux de réussite de nos candidats à tous les examens nationaux. C'était votre deuxième année ? C'est ma deuxième année. Ah oui. Alors, la première année, j'ai eu 50 admis sur 600 et quelques candidats au bac. Cette année, j'ai 185 admis sur les mêmes 629 candidats. Ça, c'est au bac. Au BEPC, j'ai eu l'année surpassée 353 admis sur 2000 candidats. Et cette année, j'ai 848 admis sur les mêmes 2000 candidats. Et à l'examen d'entrée en septième année, j'ai eu 1863 admis sur 4000 candidats. Les mêmes. Tandis que l'année surpassée, j'ai eu que 1860. Donc, à tous les niveaux, nous avons eu une amélioration de notre taux de réussite et qui était au-dessus de du taux national, du taux moyen national cette année. Monsieur le DPE, tout n'est pas rose. Quelles sont les difficultés rencontrées tant sur le plan infrastructural, tant sur, en matière d'enseignants, etc. Le plus grand problème que la DPE de Forêt-Carrière a, c'est le manque d'enseignants, le manque criard d'enseignants. À l'élémentaire, après le redéploiement, nous sommes aujourd'hui avec un besoin à l'élémentaire de 102 enseignants qui manquent. Et un manque en enseignement, un enseignant au secondaire de 48 professeurs dans toute la préfecture. Ça, c'est la première grande difficulté. La deuxième, c'est la réticence ou le non-accompagnement des parents d'élèves pour suivre leurs propres enfants afin de les amener à l'école, de les suivre avec nous. Parce que quand l'encadrement scolaire est appuyé par les parents, les enfants sont tout de suite mis au travail. Le nombre d'établissements dans votre préfecture? Bon, à l'élémentaire, nous avons 223 écoles. Et au secondaire, nous avons 19 établissements d'enseignement général et franco-arabe. Bien, alors quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je suis très très content après avoir procédé à la remise officielle avec toutes les autorités sous-préfectorales de Moussaya, le représentant de monsieur le préfet de Forêt-Carrière et vous la presse. La radio rurale de Forêt-Carrière était présente, la radio nationale, la télévision nationale était présente, donc les parents d'élèves étaient là, tous les chefs d'établissement de Forêt-Carrière étaient présents, les DSEE étaient tous présents, plus les enseignants et les élèves. Tous ont
tous ces participants ont été témoins de ce qui s'est passé et savent maintenant que lorsqu'on fait bien son travail, on est encouragé, on est motivé au plus haut niveau jusqu'à la base. Alors, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter le premier responsable de cette préfecture, en l'occurrence, M. Youssouf Koulibaly. Et avec lui, nous avons appris beaucoup de choses de cette préfecture. Non seulement, vous venez de voir les récompenses que les différents enseignants ont obtenues. En plus, les parents d'élèves sont tout à fait émus de ce prix. Alors, les autres DPE, les autres DCE, faites à l'image de ce grand monsieur. Merci, à la prochaine.